Bonjour, alors dans cette vidéo on va essayer de faire ces soustractions qui sont écrites ici. Donc ça c'est 14 moins 2, ensuite on va essayer de faire 14 moins 4 et puis 14 moins 6. Alors avant que je t'explique comment on fait, j'aimerais bien que tu essayes de ton côté. Tu mets la vidéo sur pause et tu, tu essayes de faire ces trois soustractions qui sont là. Alors la première chose que je voudrais te faire remarquer, c'est que on peut se servir de cette écriture-là. Quand on dit 14, on dit une dizaine et quatre unités. Le 1 qui est là, c'est le, le chiffre des dizaines. Et le 4 qui est là, c'est le chiffre des unités. Donc 14, en fait, ça représente une dizaine et quatre unités. Alors, qu'est-ce que c'est que une dizaine ben, C'est un groupe de 10. Hein. Donc je vais, on, va, on va représenter ici cette dizaine. Là, j'ai mis des boules bleues. Et on va compter hein, 10 boules bleues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, quand je prends tout ça... J'ai pris donc 10 boules bleues. Et en fait, c'est un groupe de 10. Donc c'est ça, c'est un, un groupe de 10. Maintenant, le 4, le 4 qui est là, ce 4-là, ça représente 4 unités. 4 unités, c'est ici 4 boules bleues. Donc en fait, on voit bien que c'est effectivement les 4 qui restent. 1, 2, 3, 4. Donc effectivement, ça, c'est le groupe des 4 unités qui restent. Donc ça c'est important de bien comprendre, quand on écrit 14, en fait on écrit un groupe de 10 et un groupe de 4 unités. Voilà. Alors bon, en sachant ça, on va essayer de trouver le résultat de, de 14 moins 2. Alors quand on soustrait 2 à 14, quand on fait 14 moins 2, en fait ça veut dire qu'on va enlever 2 objets, on enlève 2, 2 unités, et ici donc ça correspond à enlever 2 boules. Alors là je vais le faire, j'enlève cette boule-là, une boule, et j'enlève une deuxième boule. Alors je peux, pour savoir combien il en reste, je peux évidemment les compter, je peux compter toutes celles qui ne sont pas barrées, mais je peux aussi remarquer, pour aller beaucoup plus vite, je peux remarquer qu'en fait, il me reste toujours le groupe de 10, donc il me reste toujours une dizaine, donc je vais pouvoir écrire un 1 ici, à la place des dizaines, et puis je vais compter maintenant combien il me reste d'unités. Alors les unités, bah, en fait j'en avais 4, mais j'en ai enlevé 2, il en reste 2, il reste ces deux-là. Donc finalement, le résultat, c'est 12, c'est une dizaine et deux unités. Voilà. Alors maintenant, je vais continuer, je vais faire la, la, la soustraction d'après. Tu vas voir, on va faire de la même manière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir de 14. Donc je vais enlever. Voilà, je vais remettre les deux boules bleues. Donc j'ai mes 14 boules bleues et je dois en enlever 4 cette fois-ci. Donc je vais tout simplement bah, barrer. Enlever quatre boules bleues, 1, 2, 3, 4, voilà. Et donc, comme tout à l'heure, si tu veux, pour savoir le résultat de cette soustraction-là, tu peux compter euh, le, le nombre de billes qui restent. Mais pour aller beaucoup plus vite, encore une fois, tu peux tout simplement remarquer qu'on n'a pas touché le groupe de 10, hein. il reste toujours un groupe de 10. Donc, il reste toujours une dizaine, ce que j'écris comme ça, je mets un 1. Et puis après, je vais regarder combien d'unités il reste, mais en fait, il n'en reste plus, puisque j'ai enlever les 4 unités que j'avais donc j'ai fait 4 unités moins 4 unités et donc il me reste 0 unité. alors ça ce 0 je vais le noter comme ça ici voilà et donc quand je fais 14 moins 4 et eh bien je me retrouve avec une dizaine 0 unités et ce nombre une dizaine 0 unités c'est le nombre qu'on appelle 10 évidemment alors là il y a quelque chose aussi d'important à remarquer hein, c'est que je suis parti de l'écriture une dizaine quatre unités. En fait, cette écriture-là, ça correspond à dire 10 plus 4 unités. Et ensuite, j'ai enlevé 4, ces 4 unités qui sont là. Donc j'ai fait 10 plus 4 moins 4. Et bon, évidemment, là, quand tu veux faire cette opération-là, tu peux commencer par faire 4 moins 4, ce qui fait 0. Donc on a 10 plus 0, c'est-à-dire effectivement 10. Voilà. Alors on peut faire la même remarque avec l'opération du dessus. Hein. On avait fait 14 moins 2, en fait ça revenait à faire 14, c'est une dizaine et quatre unités, donc c'est comme tout à l'heure, c'est une dizaine c'est 10, plus 4 unités, plus 4 unités, moins cette fois-ci on enlève ces deux unités-là qui sont ici, donc c'est moins 2. Donc finalement, quand on fait 14 moins 2, ça revient à faire 10 plus 4 moins 2. Et 4 moins 2, ça fait 2. Donc c'est 10 plus 2. Et 10 plus 2, c'est une dizaine plus deux unités. Donc c'est effectivement 12. Voilà. Alors en sachant ça, tu peux essayer de faire de ton côté celle-là, hein, 14 moins 6, en procédant de la même manière. Alors maintenant, je dois enlever 6 billes. Alors j'ai mes 14 et je vais en enlever 6. Alors on va supposer que j'ai déjà enlevé 1, 2, 3, 4. Euh, unité, donc 4 billes, donc j'enlève une cinquième qui est là, et une sixième qui est là. Alors là, il y a quelque chose qui a changé, c'est que je n'ai plus mon groupe de 10, puisque j'ai été obligé de prendre 2 billes dans le groupe de 10, donc j'ai cassé mon groupe de 10, je n'ai plus aucun groupe de 10, donc j'ai 0 dizaine. Alors ça, je ne vais pas l'écrire. Par contre, du coup, je vais compter combien il me reste de billes. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 billes. Donc là, finalement, le nombre que je dois écrire ici, le résultat de 14 moins 6, c'est un nombre qui va avoir un seul chiffre, et c'est 8. Voilà. Alors je reprends rapidement ce qu'on a fait. Hein. Quand on dit 14, on veut dire 10 plus 4, puisque c'est une dizaine plus 4 unités. Et donc quand on dit 14 moins 2, eh c'est une dizaine plus 4 unités moins 2. Et là, en fait, ce, cette partie-là, hein, 4 moins 2, 4 moins 2, ça, ça fait... Et donc on se retrouve avec 10 plus 2. Ici c'est exactement la même chose. On dit 14 moins 4. En fait ça veut dire 10 plus 4 moins 4. Et 4 moins 4 ici ça fait 0. Et donc on se retrouve avec 10 puisque c'est une dizaine et 0 unité. Voilà.